Bon, YouTube, comment vous dire? Je devais jouer à Atrox Full Crit, j'avais déjà mis sur YouTube récemment. J'avais pas Atrox sur le compte, donc my bad. Et là, d'un coup, je me suis dit, putain, sur Twitter, j'ai vu filer un petit peu un Sylas Full Crit, un mec qui est monté dans le serveur NA avec un stuff critique. Faut savoir que le passif de Sylas, c'est un ratio AD mais dégâts magiques. Et il fait un stuff très chimique à base de faux spectral, lame d'infini, pote de sorcier, proto-belt. Et je me suis dit, ben tu sais quoi, j'ai pas Atrox, go tester le Sylas Full Crit. Donc, YouTube, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai fait une game intéressante. Je l'ai arraché avec le déluge. Putain, ça fait mal hein. La D sur Sahela, ça fait mal en early les gars. 87 d'AD sur Sahela en early, ça fait très très mal hein. Bien plus mal qu'un Sahela AP. Hein. Parfait, on va reset. Et en premier item, il fait la proto-ceinture. Et ouais, le tour, regardez, 117 de dégâts, c'est ratio AD. 40% de l'AD. Ok, ok, j'ai compris. Je l'ai vraiment arraché, du coup, il va se téléphier. Et bad. Pas mal. Du coup, il fait proto. J'aurais peut-être pu tenter un full AD direct en build avec la full spectral en first. Là, la proto, ça va m'aider contre un Jace rush basique. Les sorciers. Tout pour snowball, hein. Saut noir, sorcier, ça retarde un peu la proto, mais j'ai hâte de voir avec la faux spectrale ce que ça donne, le combo proto-faux spectrale. Il est terrifié, les gars. Il est terrifié. Ah, il a hint, là. Il a hint, mal placé. Là j'ai tanky proc. Faut qu'on dive là, il a plus de TP. Faut qu'elle fasse le tour et qu'on dive. Parfait. Bien joué ça. On va carrément le zoner. Prends la wave. S'il s'avance, je le all-in. First tower non? Parfait. Ok, no flash, parfait. Bon, le Jace s'est remis bien. Le Jace, il peut enfin jouer au jeu avec la tower. 400 l'auto, vous avez vu? 400 dégâts magiques avec une auto. Putain, ils sont trop chiants. Rel? Ah, dommage. Rel? Rel? Ça c'est du burst mon pote. Oh, t'as pas d'ulti toi. Dommage, je meurs. Pas voir ça. Pas voir ça, pas voir ça. Putain, je fais super mal par contre. J'ai pas encore l'IE hein. On va voir avec l'IE. Wouah, la patate frère. Ok, je commence à comprendre. 1500 gold, on va chercher cette IE et on va voir ce que ça donne. Et après il fait un shield go pour avoir, je pense, de la survivabilité. Bien joué, bien joué. Bah, c'est. T'as vu pour le kill. Après, elle avait pas shutdown, c'est ok. J'ai pas crit là par exemple sur le move, du coup j'avais pas de dégâts. Quand tu crit pas, t'as pas de dégâts par contre. Tout est basé sur le crit. Le Air King Dread est un peu trop lesque là. Alors, mon poulet, le Air King Dread là, il était.
Comment te dire que le Arkin Red était pour eux. Mais it's ok. Allez tous. Connasse. Dommage. Ok, flash Zoé. Touché. On va défoncer Drake tout ça. Drake. Non, pas de reset, au Drake. Oh. Allez, go Drake. C'est très intéressant ce que je mets comme patate. Alors on les arrache maintenant, hein, avec notre draft. Wesh. Est-ce que vous avez vu l'auto sur Rengar avec le passif? Bien joué les gars. Tout droit. Bien joué RL, magnifique. ...1086 le passif. C'est là. Elle va jump, je prépare mon E. Dommage. Ah, oh, je pensais avoir les dégâts, je crois que je me suis fait exhaust les gars. C'est en CS d'avance, 10-3. Ah dommage, je me suis fait exhaust je crois les gars. Je me suis fait exhaust 100%. J'ai pas fait de dégâts. J'ai voulu prendre le R Rengar dans le fight pour rejump sur Zoé mais elle était morte. Flamombre, tu penses? PT à la place. Eh, je sais pas hein. Je pense que c'est malin le Void hein. C'est des dégâts magiques que je mets quand même. Mine de rien. Enfin les dégâts purs tu vois, c'est intéressant je pense. Ouais toi tu veux dire en mode life seed et tout mais... J'ai pas le temps de mettre des autos dans les fights, j'en mets 3 et je meurs je pense. Claude Leash ? Ouais je pense que ça peut être sympa aussi ouais. En fait le problème de ce build c'est qu'il y a trop de trucs à acheter tu vois. Bah, tu peux tout faire en fait. Tu dois faire de l'AD, des critiques et un peu sur habilité. Ah ton R frérot pour ça c'est pas foufou, on a besoin de ton R je pense. Après les gars j'ai pas l'impression de faire que je mets beaucoup de crit dans les fights. Tant 75%, je suis censé en faire quand même pas mal hein. On a pas de Arkin Red, bon c'est FF. Je peux pas les gars, là no joke j'essaye hein, mais là je peux pas vous montrer le potentiel là. C'est impossible, la game est trop dure. L'enculé. Ça fait trop mal, frère. En vrai, ça fait trop mal, hein, no joke. Hein. No joke, ça fait trop mal. Hein. Après, là, il y a un gap de fou entre les viewers et les ennemis. Là no joke, c'est trop dur. Il y a un gap trop hard. Bot lane, jungle et mid, là, c'est trop dur. Mais it's ok. En vrai, j'ai pu montrer le potentiel, c'est ok. Franchement, ça donne envie de réessayer. No joke, je retesterai demain, je pense. Le farm de la triste. Frérot, la triste, il est en LEC. Tu veux que je fasse 337 CS avec un Zilean pour le peel. Tu veux que je fasse Zoé, Zilean, Tristana contre Sylas. C'est full disengage, je peux rien faire. Là, vous me donnez une meilleure frontline, un peu plus de piles. Thanos, comme le dit Caesar. Là, c'est trop dur, là, les gars. Wouah, quand même, hein. Bon dégâts, hein. Mais franchement, je suis content, franchement, parce que je m'attendais à une grosse dope, ce build. Mais c'est intéressant. Mais franchement, j'ai bien aimé le build. Super intéressant. Franchement, qu'est-ce que j'aurais changé? En fait, lui, il fait Void parce qu'il dit qu'en late game. Je pense qu'il dit qu'en late game. Quand il y a un peu d'RM et tout, c'est intéressant d'avoir les 40% de pénis, tu vois, pour maximiser les dégâts. Mais là, il n'y avait pas beaucoup d'RM en soi, donc je pense que le Void était du bait, et qu'une soif de sang, pour avoir les 100% de crit... Ah non, ça donne plus de crit, je suis con. Il fallait un autre item crit, du coup. Il fallait... Mais sans létalité, du... Bah... Je sais pas. Il fallait un autre item crit. Non, pas percepteur, létalité, c'est de la merde. Ça fait des dégâts magiques, le passif, les gars. C'est pas des dégâts physiques. T'attends de régène un deck en AP. Non, pas du tout. Tu régènes pas avec ce build. En fait, t'as la survivabilité et t'as un énorme burst, en vrai. We'll be right back.
Thank you.